j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et vous avez vu, en fait, dès le matin, nous sommes partis en vadrouille. En fait, aujourd'hui, on est samedi. Et on s'était dit que c'était le moment, comme on ne peut pas faire d'administratif de paperasse, on s'est dit qu'on allait aller vadrouiller pour, premièrement, chercher notre canapé. On avait un meuble à aller chercher via Marketplace, puisque je vous ai dit que j'arrivais maintenant à commander sur Marketplace, à envoyer des messages aux gens. Du coup, on a été chercher un petit bureau pour mon fils. Et donc, on a été acheter un canapé dans un magasin qui s'appelle... j'ai déjà oublié. De toute façon, je vous aurais remis l'enseigne avant. On a été à Best Buy pour aller voir un petit peu tout ce qui est informatique, puisque là-bas, c'est un peu le boulanger du Canada. Et enfin, même des États-Unis, je crois qu'il y a aussi Best Buy aux États-Unis. Donc, on a regardé un petit peu les télés, tout ça. Moi, j'ai acheté tout ce qui était prise électrique pour mon téléphone Apple, hein, tout simplement pour avoir le bon chargeur qui branche dans les prises d'ici pour pas avoir des adaptateurs à chaque fois, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, j'ai pris pour mon iPhone et pour le Samsung de Chéri. Comme ça, je vais pouvoir aussi recharger mon Samsung, vous savez, mon deuxième téléphone à clapet. Et on a été dans le centre commercial qui était juste à côté, Carrefour Laval, où il y a vraiment tout plein de magasins. C'est vraiment un super centre commercial, j'adore. Évidemment, on est parti manger une petite poutine et je suis passée chez Madame Moneybox. Bon, j'avais dit à Chéri, j'achèterai pas de bougies. Bon. J'ai acheté surtout des pouces-pouces pour les mains parce que j'adore vraiment leurs pouces-pouces pour les mains. Et du coup, j'ai quand même craqué pour des bougies. Ah, ça reste entre nous, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que sinon, Chéri, je pense qu'il va me dire « Oh, t'abuses !» Sachant que le conteneur arrive jeudi et qu'il y aura des bougies que j'avais déjà là-bas. Donc bon. Mais il y en avait une à moins 75%. À moins 75%, je n'ai pas pu résister. Et puis voilà, donc là, on vient de rentrer. On a trouvé notre canapé dans le fameux magasin dont je ne sais plus le nom, hein, mais c'était dans la version liquidation, donc dernier canapé qui restait, un crème. Je voulais soit gris clair, soit crème. J'avoue, crème, c'est pas l'idéal pour les enfants, mais j'avais trop envie, je trouve qu'il aurait trop bien dans ce salon. Donc, on a craqué pour un crème, et là, Chéri, il est reparti faire des allers-retours pour aller le chercher. Donc, je vous montre, dès qu'il arrive, j'ai trop hâte, parce que ça permettra de faire un petit peu avancer nos meubles d'ici, parce que ça n'avance pas beaucoup, vu que j'avais pas accès à Marketplace, ça n'avançait pas beaucoup. J'ai une étagère, là, quand même, à monter aussi, il va falloir qu'on la monte, pour mettre dans la chambre à Kayla. J'essaye de chercher sur Marketplace le lit pour Kayla, parce qu'elle veut le lit Ikea en hauteur, je ne sais plus combien, Vidval, je crois, la référence. Mais on le trouve pas sur ma quête. Enfin, on le trouve, mais à chaque fois, il est parti ou les gens ne répondent pas. Donc, pour l'instant, je ne le trouve pas. Et je pense que ce soir, Chéri, il ira chercher aussi, ou ce soir ou demain, il ira chercher notre lit à nous. On veut le même qu'on avait avant avec les tiroirs et tout, parce que vraiment, il sera parfait ici, je pense. Donc, voilà. Et ma mission, si possible, aujourd'hui, si on fait rien d'autre, c'est de m'attaquer aux valises, hein. Parce qu'au niveau des valises, bah, il y a toujours autant de bazar, hein. Et c'est casse-pied, là. Moi, j'arrive plus à m'y retrouver. Et voici le petit bureau qu'on a trouvé pour 40$ sur Marketplace. Écoutez, c'est un bureau de chez Ikea qui est en excellent état. Il y a juste un petit accroc ici. Il est très, très bien. Je l'avais vu, je crois, chez Ikea. Il coûte 80 ou 90$. Petit tiroir. Écoutez, ma foi, pour Kezia dans sa chambre, ça va être très très bien. C'est parfait au niveau taille. Il faut que je trouve le même style pour Oran, en version avec un petit peu de bois. J'aimerais bien pour Oran, puisque lui, son lit, il est version bois. Voilà, pour la chambre de Oran, pour l'instant, vous voyez, il n'y a que son lit. Et on lui a trouvé une chaise, c'est Village des Valeurs. Donc évidemment, le lit n'est pas fait, vu qu'on est parti très tôt ce matin. Mais on a acheté les matelas chez Ikea et la structure en bois chez Ikea aussi. Donc lui, j'aimerais bien un petit peu de bois dans sa chambre, alors qu'au Kezia, j'aimerais bien avoir que du blanc. Leurs chambres, elles sont face à face et elles sont séparées par le sous-sol. Mais vous reverrez ça dans une prochaine vidéo home tour. En tout cas, voici le résultat. Et ça, bah, y a plus qu'à lui trouver une petite chaise sympa. Et alors, Kezia, en revanche, il a son matelas Ikea, parce qu'on a acheté évidemment tous les matelas, les draps que j'ai pu emmener dans la valise, hein, mais il n'y a pas grand-chose au niveau choix. Et on n'a pas encore trouvé sa structure de lit. Je cherche, je cherche, je cherche, mais je trouve pas ce que je veux encore.
Voilà, première partie installée. Chérie ramène la deuxième partie qui est juste ici, parfaitement installée dans notre super grand salon. Honnêtement, ce salon, il est big, big, big. J'ai trop hâte d'avoir le complet, de mettre des petits coussins, un petit plaid. Enfin bon, la totale, ça va être trop canon. Chez Best Buy, j'ai pris du coup ce câble qui fait chargeur d'iPhone et USB-C avec la prise USB-C et les prises ici standard de chez Apple. Donc oui, on trouve du Apple chez Best Buy, donc ça tombe bien parce que j'allais aller chez Apple. Et on a pris un adaptateur aussi pour chérie, pour son Samsung. Comme ça, ça va me servir pour mon iPhone, mais aussi pour mon iPad. Hein. C'est exactement le même adaptateur. Et on va plus se battre pour avoir l'adaptateur des prises. Parce que bon, c'est pas pareil que chez nous quand même. Hein. Donc ça, on a acheté ça tout à l'heure. Et je vous montre le petit Bath & Body Works. Regardez, leurs sacs sont trop trop canons. Évidemment, j'ai deux sacs parce que j'ai un peu beaucoup craqué. J'ai pris un lot de 5... pousse-mousse pour les mains, les fameux pousse-mousse de chez Bath & Body Works. Là, celle-ci, c'est version gel, c'est pas en version mousse. Là, c'est la collection d'automne, Pumpkin Latte. J'ai pris un deuxième de la collection d'automne qui est en version mousse, c'est celui-ci. C'était un lot, les 5 pour 30$, enfin 29$, donc ce qui restait raisonnable. Hein. Je crois que un, ça doit coûter 13$ ou je sais même plus. Celui-ci, White Coconut Caramel, donc une petite odeur un peu sucrée, gourmande. Celui-ci, le Cozy Vanilla Almond, donc c'est vanille amande. Et le dernier, c'est Champagne Toast. Je crois que je l'avais déjà pris l'année dernière, donc je suis restée assez fidèle aux odeurs que j'aime bien. Donc ça, ça revenait à peine à 5,80$. 5,80$, donc... vraiment pas grand chose au niveau des pousse-pousse que j'adore. J'ai pris un petit gel douche à 2$, donc même pas 1€, c'était à moins de 75%. C'est pour ma fille, il y avait aussi la brume, etc. Mais j'étais raisonnable, on a juste pris le mini gel douche. Et dans les bougies, il y en a une de l'édition de Noël, je pense, de l'année dernière, et une de l'édition d'automne, là, de cette année. Donc de Noël, avec ce petit couvercle là, comme ça, trop mignon, c'est la... Christmas Cider, donc je pense un peu pomme Noël. Elle sent très très bon, elle est très douce, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les odeurs de chez Bath & Body Works, mais c'est vrai que des fois il y en a, ils sont vraiment fortes. Celle-ci, elle est revenue à 6,90$, je crois, donc ça fait à peine 5€, la grosse bougie 3 mèches. Et il y avait une offre pour les grosses bougies, dans toutes les autres collections, c'était 13,95$, je crois, 98$. Donc ça fait à peu près 10€ la grosse bougie là en promo. Donc j'ai juste pris celle-ci, la framboise sucrée sorbet au rosé soupçon de mousseux. Bon, c'était celle que ma fille adorait. Donc elle sent très bon, une petite odeur de framboise comme ça, très douce, très fraîche. Et donc celle-ci à peine 10€ à peu près. Donc je peux vous dire que ça vaut le coup. C'est vrai qu'ils font vraiment des offres de dingue à Bath & Body Works. Donc j'ai pas pu résister. Alors qui est là, pourquoi on est là? Explique-nous. Pour regarder les avions qui atterrissent. Ouais, on est là pour regarder les avions de près qui vont atterrir, exactement. Ouais, il fait pas.
que vous allez bien. On se retrouve en ce nouveau jour. Qu'avons-nous fait hier? Je pense qu'on a fait des jeux d'eau avec les enfants que je n'ai pas filmés. On profite un peu tous les jours d'aller une heure et demie au jeu d'eau. Ici, en fait, il y a des grands parcs qui sont accessibles aux enfants. Des parcs basiques, mais vraiment beaucoup plus grands qu'en France. Et parfois, à côté, vous avez des jeux d'eau où il y a de l'eau, voilà, qui les mouille, qui les arrose. Ils peuvent être en maillot de bain parce qu'ils sont vraiment mouillés comme à la piscine, sauf que ils plongent pas. Donc, c'est vraiment trop cool parce qu'au niveau surveillance, c'est nickel. Il y a plein de bancs autour, enfin des tables de pique-nique et tout. Les gens pique-niquent, c'est vraiment une ambiance de dingue. Donc ça, c'est trop, trop, trop agréable. Donc, on a été faire ça hier pendant une heure et demie. Après, on est passé tout près de l'aéroport. On s'est trouvé un petit point de... Comment ça s'appelle? Un petit point de vue pour voir les avions, en fait, qui vont atterrir de très, très près. C'était cool. C'était trop cool. Et après, on est parti chez Maxi et Xi ou Maxi et compagnie. Je sais pas trop comment ça se prononce ici. On a fait des petites courses parce qu'il nous manquait des petites choses ici, du sirop d'érable, des petites choses comme ça pour le matin. J'ai trouvé mon petit grille-pain pour 23$, donc vraiment Black & Decker d'ailleurs. Il y avait une cafetière que chérie a voulu prendre, mais elle était en rupture. Donc moi j'ai pris le grille-pain, je l'ai déjà installé. Au début j'avais hésité avec un autre grille-pain, mais celui-ci il avait la petite touche métallisée là, et je me suis dit que ça allait aller super bien avec ma belle théière qui fonctionne du tonnerre, hein, vraiment. Donc voilà, on l'a utilisé ce matin, c'est trop bien, ça fait plaisir. J'ai acheté quelques fournitures scolaires, mais pas grand chose parce que vraiment je vais vous faire une vidéo dédiée fournitures scolaires ici pour les listes scolaires de la rentrée pour mes enfants. Enfin, et ça c'est hier, on a acheté ça pour les petits, il en reste quelques-uns. Aujourd'hui on est dimanche, il faut savoir qu'ici le week-end les magasins ferment beaucoup plus tôt que la semaine. Tous les jours ça ferme à 21h mais le week-end ça ferme à 17h, c'est assez dingue, c'est tout le contraire de chez nous en fait. Donc à 17h ici tout est fermé sauf Maxi là où on a été pour faire 2-3 courses, c'est le seul magasin qui était ouvert jusqu'à 22h je crois. Après il y a peut-être les pharmacies, tout ça, ça je ne sais pas, c'est peut-être ouvert aussi tard. Je me suis pas renseignée mais on voulait aller faire après les jeux d'eau, aller faire un tour par exemple pour aller voir les micro-ondes etc. C'était fermé en fait. Il y a même des magasins de déstockage etc. qui sont complètement fermés le week-end, ça c'est que la semaine. C'est assez dingue. Mais écoutez, je trouve ça aussi sympa parce que je me dis que comme ça, les gens finissent plus tôt, peuvent profiter de leur soirée, tout ça. Donc, c'est un concept sympa aussi. Donc là, on est dimanche. Chérie est partie chez Ikea pour aller acheter notre lit. On avait eu une carte cadeau par ses collègues de boulot trop adorables qui nous permettent de pouvoir racheter notre lit chez Ikea. J'avais regardé les lits et tout ça, deux places sur Marketplace, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et en tout cas pas celui qu'on voulait, et c'est vrai qu'on l'aimait beaucoup notre lit. D'ailleurs on voulait l'emmener hein, notre lit de place de chez Ikea, mais c'était compliqué de l'emmener, de l'emballer, tout ça, c'était une galère. Donc on a préféré le vendre en France et on s'est dit qu'on allait le racheter ici. On l'avait bien vendu, là avec la carte cadeau on peut largement le racheter, donc nickel. Il nous reste la télé, hein. On a regardé hier un peu les prix, tout ça. Bah, bref, il nous reste encore pas mal de choses, hein, mais on va y arriver. On va y arriver. Là, je vais passer une petite heure, je pense, pour faire quelques montages, etc. Trouver le générique de cette série de vidéos Canada installation, tout ça. Je vais essayer de trouver des idées et je pense que je vous reprendrai tout à l'heure quand il y aura du nouveau dans la pièce. Et puis, on clôturera ce soir ce vlog. Ah oui, je vous ai pas dit, hier, on a été aussi au feu d'artifice. En fait, à Montréal, quand vous venez l'été, vous avez... Je crois tous les dimanches quasiment, du mois de juillet, des feux d'artifice représentés par des pays. En fait, parfois, alors c'est une sorte de compétition et ce sont des pays qui jouent. Donc hier, c'était la France qui faisait son feu d'artifice dans la compétition ici à Montréal. Et après, je pense qu'il y a des gagnants, je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais l'année dernière, on était venu voir un des feux d'artifice, je ne sais plus c'était quel pays d'ailleurs. Mais là, hier, la France, elle a été applaudie vraiment beaucoup de fois. Il a eu beaucoup de succès, ce feu d'artifice. Il était vraiment canon. C'était vers le centre de Montréal, près de l'eau. Nous, je ne sais pas la rue. Je vous avoue que je ne sais pas, c'est chérie qui a trouvé l'adresse. Mais c'était près d'un pont. Et on voyait de l'autre côté le fameux parc d'attractions, la Ronde. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, qu'on le voit le mieux, le feu d'artifice. C'est quand vous êtes à la Ronde, dans le parc d'attractions, je crois. En tout cas, c'était vraiment canon, donc ça c'était cool aussi. Voilà, c'est des petits moments, on essaie de faire des petits moments sympas quand même avec les enfants, entre deux emménagements. Sur ce, j'ai commencé à ranger des valises et tout ça, là il me reste que les miennes. J'ai fait les enfants, j'ai fait le salon, il y avait des valises qui traînaient. Donc maintenant il me reste plus qu'à gérer tout ce qui est beauté. Il faut absolument que je m'achète une coiffeuse. J'en ai une dans le collimateur, c'est genre the coiffeuse de mes rêves que j'ai jamais pu m'acheter en France. Est-ce que je vais craquer ici?
On verra, on verra, on verra la suite au prochain épisode.